Comment ça va? Hop, la star. Je t'ai dit non, je t'ai dit que Dieu va laisser nos prix, on va avoir bon client aujourd'hui. Ah, monsieur Emilode, il vous donne Emile. Ouais, c'est ça non? C'est tu vois que je maîtrise. Tout le monde t'a fait Emile, mais moi je sais que tu t'as fait il vous donne Emile. Ouais, ouais, ouais. On te sert quoi? Non, je veux un café, je veux un café. Espresso ou quoi? Très fort. Très fort. Bonne arrivée chez nous. Ouais, envoie-moi du sucre, s'il te plaît. Amène juste un peu. Radia. Nostabri. Ah. en tout cas, aujourd'hui, nous, on a la chance de trouver une star ici. Donc, ça tombe bien. Puis, premier client de la journée. Donc. Ça marche où? Parce que comment il fait tout rara comme ça là? N'est-ce pas? Ah, on dit au stade, on ne donne pas monnaie. Oh. Donc j'espère que facture, là, ça sera un billet de banque. Et puis, il se peut même que tu ne payes même pas de facture, tu sais. Mm-hmm. Parce que quand on est invité comme ça, on profite surtout de vous, les stars. On profite d'avoir votre actualité. D'accord. Qu'est-ce que vous faites en plus de ce qu'on sait. Voilà. D'accord. On va te poser des questions. Okay. On va chercher à savoir. Comment se passe la carrière de Emilo actuellement? Oui, ça se passe bien par la grâce de Dieu. Hein. Je pense que Dieu m'a fait grâce dans ma vie musicale à me faire et à faire aussi d'autres personnes. Mm-hmm. Donc, je suis très content de ce qui se passe dans ma carrière de musique. En tout cas, je n'ai pas fait... Alors, qu'est-ce que la musique a apporté à notre artiste? La musique a sauvé des familles grâce à moi parce que ce que je gagne, déjà, je prends soin de ma famille. Mm-hmm. Voilà, on réussit à gérer les besoins familiales et puis à aider aussi des amis, voilà, à construire. Mm-hmm. Ça veut dire que l'argent rentre. Voilà. L'argent rentre. Donc, Emilo. Non, si c'est rentré, là, ça rentre. Ça rentre. Quand donc, Dieu te donne, il ne faut pas. Donc, je suppose que Emilo touche de gros cachets. Et quel était le plus gros cachet d'Emilo? Ton plus gros cachet. Le plus gros cachet, c'était 10 millions. Waouh! À quelle occasion? Papa, il a dit le nom de la structure et puis tout le monde va aller là-bas. Mais il faut nous aider. Papa, c'est l'un de mes partenaires qui m'a donné ça. Waouh! Je suis content. Après une prestation ou bien juste comme ça, on t'a appelé un matin et puis on dit viens prendre de l'argent. On a fait tout un travail. Et puis après... Concernant la musique, pardon, après il faut me donner son contact. Moi, mais j'ai un travail à lui soumettre aussi. Tiens, 10 millions. Tu n'as pas besoin de garder quoi? Non. Toi, tu as quel muscle pour garder qui? Pardon, il fallait laver les verres là-bas. Ah, tiens. Bon, on ne peut pas quand même parler de Emilo actuellement sans parler de... De quoi? Là, ça a tremblé. Ah! Donc, tu sais. Donc, tu sais. Aïcha tremblé. Ok. Est-ce que vous voulez savoir sur Aïcha? Dites-moi. Ce que je veux savoir... C'est vrai, on a vu, on a collé Emilo à l'image de Aïcha, ou bien on a collé Aïcha à l'image de Emilo et tout ça. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que Emilo gagne dans tout ça? Qu'est-ce que tu gagnes à toujours être avec Aïcha Tremblay, à la prendre avec toi, vous voyagez ensemble, vous faites tout ensemble, elle est tout sur ta page. Tu gagnes quoi? Déjà, le fait de donner de la joie à cette fille-là, moi, mais ça me fait plaisir. Parce que je sais pas si c'est ma famille, hein, mais... On aime faire du bien aux autres. Nous, on aime quand le prochain, il est content. Mm-hmm. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup Dieu, Dieu m'en a fait de Dieu. Mais Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même et puis partage ce que tu as. À chaque fois que tu partages, tu reçois toujours et tu ne manques de rien. Mm-hmm. Peut-être c'est à cause de ça que je suis toujours constant. À chaque fois, je suis dans les spectacles, ça va. C'est pas ce que Awa a dit ici. Awa a dit que, de toute façon, il est collé à la petite là. Que c'est lui qui gère tout l'argent de l'enfant là. Que non, tous les cachets, c'est lui qui prend. Aïcha, non. Aïcha a son compte bancaire. Ah. Et puis. Toi, tu n'as pas de compte elle jusqu'à aujourd'hui. Pas une équipe. Moi, j'ai compte Orange Money. Pardon, faut laisser pour toi. Là. Elle a, comment on appelle ça? En fait, elle est gérée par une équipe que nous, on a formée. Ok. L'équipe qui la gère. Le manager, voilà. Et nous, on suit juste. Voilà, côté argent,
Donc, voilà. Elle a un compte bancaire. Tu connais l'argent qu'il y a dedans actuellement? En tout cas, elle est millionnaire, ça. À peu près combien? Je vais voir si elle me dépasse ou bien si elle la dépasse. Non, elle est millionnaire. Bon, on a déposé le monde, je ne rappelle même plus. Bon, Emile, moi aussi, je vais chanter. Tu vas me manager. Je ne sais pas trembler les épaules, mais peut-être que je peux trembler à quelque part aussi. Ok, mais on a parlé de Aïcha et Johnny, et DJ Johnny dans tout voilà, ça. Domi. Domi, c'est Dominique. En fait. Ok. Dominique. Ouais, il va bien. Lui, déjà, c'était un artiste comme moi. Mm-hmm. Il avait des chansons et c'est un DJ. Il tourne dans les villages réguliers pour donner de la joie mm-hmm. à ceux qui en ont besoin. Ok. En ce temps de. De sécurité, lui, il est sa vie à donner de la joie. Donc, c'est de par là, Dieu aussi est passé par lui pour lui donner un tube qui a été tremblé. Donc, il se porte très bien. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui se débrouille pas mal. Ok. Et voilà, ça allait chez lui. Mais moi j'entends, hein, tu sais que les kiosques, là, on dit du tout ici. Ouais. Moi, j'entends que il va se concentrer sur Aïcha Tremblay, il va oublier sa propre carrière et tout. Non. D'aucuns disent que peut-être qu'il ne veut même plus briller au niveau de la musique. Il compte, épauler ou gérer ses jeunes frères. Est-ce que Emile compte vraiment arrêter sa carrière pour gérer ses jeunes frères ou bien il compte coacher de Dominique et Aïcha Tremblay jusqu'à... Oh là là. Non, je ne vais pas arrêter ma carrière. Moi, j'aime la musique. Hein. Moi, je pense que je ne vais jamais même arrêter ma carrière de musique. Ah, d'accord. Toujours, même si je suis vieux, je vais toujours continuer à faire quelques chansons. Okay. Parce que déjà, la chanson, quand moi-même je compose des chansons, ça me fait plaisir. Ta chanson qui a marché plus, c'est quelle? Fais, je vais danser. Wassa Wassa m'a envoyé partout dans le monde. Hein. Wassa Wassa, là, c'était comment danser c'est encore? Ça, ah oui, comme ça. Bien bouger. Ah, d'accord. Donc voilà, Domi et Aïcha, c'est un cheveu sans train de tracer. D'accord. Quand ils vont pouvoir se débrouiller, sinon on va les laisser se débrouiller. Ok. Donc, Emile reste avec nous et tout à l'heure, nous allons entamer notre rubrique. Dans la culture générale, là, je vais te poser des questions. Si tu arrives à répondre à toutes les questions, ça te fait des points. Okay. Et ton café, tout ce que tu vas commander ici, si tu as pu répondre à toutes les questions, nous, on t'offre le café, plus tout ce que tu veux ici, on te donne cadeau. Mais si tu n'as pas pu répondre, peut-être que je vais te donner une dette, peut-être que tu vas me produire, mais tu vas faire de moi ta Aïcha Tremblay, qui sait. Donc, tu es prêt? La première question, on va te servir de l'eau d'abord. Ah ouais. Hey. Fais vite. Elle allait se promener. Faut servir de l'eau. Il va boire d'abord. L'eau là, ça c'est gratuit. On te donne. Ok. Donc la première question. Ça c'est facile, hein? D'accord. Et puis, tu avais l'école. J'ai fait l'école. Ah. On dit SNC signifie quoi? SNC, Semaine Nationale de la Culture. Mmh. Mmh. C'est la moindre chose. Ah ouais, tu connaissais SNC? Oui. Ça, il a dit que ça veut dire quoi? Voilà, il a dit Semaine Nationale de quelque chose là, genre. C'est bon, faut laisser. Ah ouais. On dit. Voilà, même chose. Moi, j'ai fait l'école. Ah ouais, laisse pour toi. Ce 1. Deuxième question. D'accord. On dit, quel est le nom de la tenue traditionnelle du Burkina, que le Burkina Faso adopté comme tenue scolaire dans certains établissements. Le faso d'Anfani. Ah, ça fait combien de points? Deux. Il a... ça fait deux points. D'accord, donc jusque-là, tu mènes le jeu. Non, mais je vais rendre ça plus dur. On dit, qu'est-ce que signifie Senaza? Vous faites vos shows. Ça, là, même là. Ouais. Ça veut dire à la seconde qui suit, tu devais pouvoir répondre. Centre mm-hmm. national mm-hmm. des arts. Mm-hmm. Centre national des arts. Mm-hmm. C'est NASA. Hey, c'est NASA, hein. C'est NASA où ils font les shows tout le temps, là. Hey. Ouais. Mais c'est pas fini. Centre national. Mm-hmm. 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 Hey. Il a dit, si Emile ne trouve pas Senaza, il doit plus presser au Senaza. Non, ça ne va pas. Il y a beaucoup de centres nationaux. Ça s'appelle le centre national de transfusion sanguine. Hey, on ne t'a pas demandé. Toi-même, ce n'est pas sûr que tu connais. Tais-toi. Quelqu'un m'avait dit c'est un jour. Je te retire tes points. National.
Hey, les artistes burkinabés. Kinda, Za. Centre national de la Misana. Pardon, quelle la Misana? Attends, toi. Bourdiande d'après les bossis. Ok, donc, si je donne la réponse, arrêtez tes deux points, on repart à zéro. Senaza signifie, et c'est valable pour tous les artistes, retenez ça, Centre national des arts, du spectacle et de l'audio. Visuel. Ah, oh, et c'est décourage. Toi, tu as dit la mise en œuvre ici, tu dis c'est trop facile. Ah, donc, on est à 0-0. On te doit rien, tu ne dois rien. Comment ça, 0-0? Si. Non, mais cette question-là, même, tu devais répondre à la seconde qui suivait. Mais tu as traîné, donc ça prend tes deux points. Ouais. Ça continue. En quelle année le Senaza a été créé? En quelle année? Oui, Senaza, où vous prestez là? Ça a été créé en quelle année? En 98. Ah. En tout cas, je vais me trouver Senaza ici. En tout cas. Il dit qu'en tout cas il est venu trouver ça. Tiens, qui t'a venu trouver ça? J'ai trouvé à l'an 2000. En 98 à l'an 2000. Mais tu dis 98, pourquoi tu dis pas en 2000? Pourquoi tu as sauté en 99 avant d'arriver à 2000? C'est en 99. Mais il n'était pas loin. Non, mais tu n'es pas trop loin. Tu n'as pas dit que tu es arrivé. Ah, c'est comme ça. Donc, tu nous dois. Parce que on a 1 à 0. C'est la même, c'est 2 à 0. Donc, on va te laisser. Tu vas souffler un tout petit peu. Le temps d'entamer la rubrique actualité. Alors nous revenons dans la rubrique actualité avec notre invité Emilodie Émile. Moi j'adore t'appeler Émile, je ne sais pas pourquoi. J'adore t'appeler Émile. Donc actualité, on se concentre sur... les événements de l'heure, ce qui se passe actuellement, comme on le dit, c'est ça l'actualité. Tu connais le sens de l'actualité? Oui, c'est bien. C'est bon, laisse tomber avant. Donc, dans l'actualité, c'est la même chose. Hein. De l'autre côté, là, tu as moins un. Donc, peut-être que tu vas te rattraper ici. Voilà. Donc, ton café, il est toujours à ton cou. Et puis, en sortant, même, tu me dois 5000 francs parce que tu as raté une question. Donc, première question. Prépare-toi. Tu es bien assis? Très bien assis. On dit, comment les récentes évolutions sociopolitiques du pays influencent-elles votre inspiration? Ça veut dire quoi? Tout simplement, je n'ai pas parlé gros français. Ça veut dire, avec la situation que le pays traverse actuellement, côté politique, côté social et tout, et tout, et tout, comment ça affecte ta carrière actuellement? Voilà. Bien sûr que ça affecte parce que avant on pouvait aller partout, faire des spectacles et tout, partout, Dori, Kaya, Piscilla, dans le fin fond du Burkina Faso. Mais en ce moment, on ne peut plus. Voilà, c'est restreint. C'est-à-dire que nos spectacles ont diminué. Voilà, il est caché, mais on diminue souvent. On dit non, avec la situation du pays là. Ça va pas. Ça va pas. On n'a pas de soutien. Pardon, viens jouer à tel prix. Bon, on accepte. Pas aussi, ils vont appeler d'autres personnes. Donc, souvent, on est obligé aussi de partir, voilà, donc, pour faire plaisir. Ça nous affecte, et effectivement. On a moins de spectacles qu'avant. Que la paix revienne au Burkina. Ouais. Deuxième question. Andy, j'ai dit. Vas-y. Qu'est-ce que... Tu m'écoutes? Qu'est-ce que la E... S. L'AES. Question d'actualité. Quand on dit AES, c'est quoi? Ah ouais, c'est mieux, tu vas te taire. C'est que tu ne peux pas trouver réponse à là. AES. AES. AES, on chante partout. AES, AES, AES. Mais qui chante AES? T'as tout le monde? C'est les bouquins. Ah ouais, il dit faut te taire. AES, là, c'est le corps avionnant. Je n'ai pas dit FDS. J'ai dit AES. J'ai dit il faut aller laver les plats. AES. Non, je connais pas. Là, c'est... AES, c'est l'alliance. Non, dis. Ok, ça concerne nos trois pays là. Les trois pays actuellement qu'on essaie de mettre ensemble comme ça là. Alliance des États du Sahel.
Non, je ne connais pas. Ça veut dire, tu as tremblé du coup, tu as oublié l'actualité. Ah, donc, AES, c'est ça, Alliance des États du Sahel. Donc, moins deux pour Émile. Ah, je ne suis pas trop politique. Non. Ça, ce n'est pas politique, c'est l'actualité du pays, ce n'est pas forcément politique. Ouais, mais bon, on y va. Ok. C'est ça que je vais me rattraper devant. Tu es sûr? Très sûr. Et si tu te rattrapes, on fait quoi? Je me rattrape. Si tu te rattrapes, on fait quoi? Moi, j'aime le concret. Si je me rattrape pas, tu me rattrapes. Ok. Andy. Et ça, là-même, j'ai déjà donné réponse, là. Dans ce que j'ai dit, précisément, il y a la réponse dedans. On dit, combien de pays comptent l'AES? C'est trois pays. Lesquels? Le Burkina, mm-hmm. le Mali, mm-hmm. le Niger. Tu es d'accord, ouais. Est-ce qu'il a trouvé? Est-ce? Oui. Il a trouvé? Oui. Pour une fois aussi, Awa a dit bonne chose. Ok. On peut continuer? Attends, je vais boire un peu d'eau. Parce que jusque-là, tu as mon crédit quand même. Non. Non, si. Tu avais raté trois questions. Pour Senaza, tu t'es enlevé deux points. Après, tu as manqué encore un. Donc, tu as deux crédits, toi. Ok. Donc, on dit, quelle est la date exacte du changement du nom de l'avenue Charles de... Il y a son visage. Charles de Gaulle. On dit, quelle est la date exacte du changement du nom de l'avenue Charles de Gaulle en Thomas Sankara. Aha. La date. Mm-hmm. C'est quel l'année. Jour? Hey, on dit la date exacte, tu dis l'année. On dit, quelle date exactement Mm-hmm. La date exacte. Mm-hmm. La date exacte. Je sens qu'on m'a fait trois points. Ça là, si tu ne trouves pas. Quelle est la date exacte? Ça veut dire c'est quand? Puisque l'avenue s'appelait Charles de Gaulle. Après, voilà, après on a changé. On dit ça doit s'appeler Thomas Sankara. Et ça c'était quand? Ah. Est-ce que c'est pas... Il n'y a pas de est-ce que. On a dit exact. C'est en octobre. Non. On a dit la date exacte. On a dit à peu près. On a dit la date exacte. Le 16 octobre. 16 octobre. Faut nous... 16 octobre. Tiens, si. Ah ouais. En ce moment-là, moi, je n'étais pas née. Non. Tu sais, c'est à quelle année que tu n'étais pas née? Ah, vous avez parlé de Thomas Sankara. 16 octobre 2000, combien? 16 octobre 2023, cette année. C'est de l'année passée, Emile. Comment l'année passée? C'est l'année passée qu'ils ont changé le nom. Octobre passé, tout près là. Non. C'était l'autre octobre, le 16 octobre passé là-bas. 2022? Oui. Ce que tu dis, c'est la date, tu as demandé, tu n'as pas demandé l'année. Donc tu n'es même pas convaincu de ta réponse, j'étais eu parce que c'est 16 octobre 2023. Ah. Ça veut dire que tu as répondu sans conviction. Si, si, j'ai dit cette année. Mais, cette année. Mais c'était sans conviction parce que j'ai réussi à te détourner. Non, parce que tu as dit 2022, j'ai dit 2023. Après, j'ai dit, ah bon? Mais tu n'es pas sûr. Ah ouais, je n'ai pas. C'est 0-0. Non. Va. C'est que, non, c'est pas 0-0. Non, non, payé. Non, tu n'as pas tout payé. Oui, c'était 2, tu viens d'avoir 1, donc c'est. Mais pourquoi pour ce NASA là, tu as mis 2 points? Parce que c'est nuisible, c'est inaccessible. Okay, c'est inadmissible. Un point. Ok, donc, une dernière question. Encore? Pour oui. Moi, il est déjà là pour moi. Parce que depuis, on me pose question, je ne gagne pas. Mais tu vas revenir, je sais. Non, il faut que je revienne. Mais tu vas revenir. Il faut que je revienne me venger. Ah, voilà. Donc, mais on ne va pas te laisser partir comme ça. Moi, je veux un selfie avec la star. Ça marche. Selfie. Il y a quoi? Et crédit fini. Non, ça finit pas le crédit. Hein. Donc, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. D'accord. On est là. Allez, merci beaucoup. Bye bye, la star. Plaisir partagé. Voilà. Et puis, il faut appeler les clients là pour nous. Hein. Oui, oui, oui.